le roi Charles III était avec son épouse, la reine consort Camilla, à Brick Lane, dans l'est de Londres ce mercredi 8 février. Cette visite avait notamment pour but de réaffirmer le désir du monarque de représenter une Grande-Bretagne multiculturelle et multiconfessionnelle. Un désir qu'il devrait mettre en exergue lors de son couronnement le 6 mai prochain. Alors qu'il allait visiter la mosquée, le père du prince William a respecté la coutume et a retiré ses chaussures. Une photo prise à l'intérieur de la mosquée a montré ce qui ressemblait à un trou dans la chaussette noire droite du fils aîné de la reine Elisabeth II. Connu pour être économe et préférer accommoder ses vêtements plutôt que d'en acheter des neufs régulièrement, Charles III a cette fois peut-être été à la limite avec ses chaussettes. Si le faux pas a été commenté, les internautes ont choisi de rire de la photo, l'un d'eux déclarant même que le roi était l'un des nôtres. Le roi Charles III toujours populaire, c'est ce côté comme tout le monde qui les a marqués, puisque plusieurs l'ont relevé, le roi Charles III est vraiment l'un des nôtres. La plupart d'entre nous ont au moins une paire de chaussettes avec un trou, a écrit l'une, alors qu'un autre a indiqué que Charles III était tout comme nous. En dehors de cet incident de chaussettes, la visite du roi et de la reine a été une réussite. Le roi a notamment planté un arbre dédié à Altaf Ali, un jeune Bangladais assassiné en 1978 par trois adolescents alors qu'il rentrait du travail. Plus d'un millier d'admirateurs royaux et de sympathisants se sont massés dans les rues pour les apercevoir. Un réconfort après la sortie des mémoires du prince Harry, le suppléant, dans lesquels le frère du prince William a lancé de nombreuses accusations envers la famille royale. À tel point que la cote de popularité de certains membres avait baissé dans un sondage récent. Mais visiblement, le peuple britannique soutient toujours son roi. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.